وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On va parler d'une chose très importante aujourd'hui, car c'est une question qui fait des problèmes tous les ans. Comment on connaît que le mois de Ramadan est entré ou non ? En voyant la nouvelle lune. Quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Que l'entrée du mois de Ramadan est liée à la vision de la nouvelle lune et non pas au calcul, comme certains pays veulent faire aujourd'hui. Celui qui voit, qui témoigne de l'entrée du mois, qu'il jeûne. Jeûnez quand vous voyez la nouvelle lune et rompez quand vous voyez la nouvelle lune de Shawwal. Donc l'entrée du mois de Ramadan, c'est lié à la nouvelle lune. Et comme on le sait, les mois lunaires, ils sont que de deux sortes, ou 29 jours ou 30 jours. Ils ne peuvent jamais être moins ni plus. Shawwal, il ne durera ou que 29 jours ou 30 jours, pas plus. Idem, comment on connaît l'entrée du mois de Ramadan ? Avec une de ces choses que je vais citer. Premièrement, par le témoignage d'un musulman de confiance. Si un seul musulman de confiance, il a vu la nouvelle lune, il va voir le wali al-amr, le responsable, et le responsable, yu'alino, de khula, shahr al-ramadan. Et il annonce l'entrée du mois de Ramadan. Ma dalilu ala dhalik ? Quelle est la preuve de cela ? Hadith ibn Omar, Abdullah ibn Omar, il dit, j'ai vu le Hilal, tout seul. Et je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a ordonné à tout le monde de jeûner. C'est-à-dire le témoignage juste d'une personne, ça a suffi pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne à tous les musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Tayyib. La deuxième question qui se pose, si quelqu'un le voit dans un pays lointain, est-ce qu'il est obligatoire à tous les pays musulmans de suivre cette vision ou non ? Certains ulama disent non, chaque pays, il a son salut. Dès que lui voit le hilal, il fait le jeûne, sinon non. D'autres ulama ont dit, quel que soit le pays qui le voit, le premier pays qui le voit, il est obligatoire à tous les pays musulmans de le suivre. Le plus juste de ces paroles, c'est le deuxième. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a accepté le témoignage d'un et il a ordonné à tout le monde de jeûner. Et il n'a pas différencié entre les gens de Médine, de Mecca, de l'Arabie, d'en bas, d'en haut. Mais il a dit jeûner, il a ordonné à tout le monde de jeûner. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le témoignage d'une personne pour ordonner à tout le monde, c'est suffisant. Idan si une dawla muslima, elle témoigne d'avoir vu l'hilal, normalement, il faut que tous les pays le suivent. Troisièmement, même dans la science, ça a été prouvé que la lune, elle met 10 heures pour faire le tour de la Terre. C'est-à-dire, moins de la moitié d'une journée. Donc, si le hilal, il a été vu quelque part sur Terre, dans la même journée, il sera partout, normalement. Normalement, c'est ça qu'on devrait faire. Voilà, comme c'est difficile de le pratiquer à cause des différents problèmes politiques, car c'est devenu de la politique et non plus de la religion, au minimum, il faut que les gens de chaque pays jeûnent ensemble et rompent ensemble. Les pays musulmans, il n'y a pas de problème, parce que c'est l'État qui décide. L'État, quand il dit c'est Ramadan, c'est Ramadan. C'est pas Ramadan, c'est eux qui prennent la responsabilité. Yom al-Qiyamah, c'est eux qui paient. S'ils se sont trompés ou s'ils n'ont pas fait exprès. S'ils ont fait exprès de tromper les musulmans. C'est leur responsabilité. Voilà. Dans les pays non musulmans, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on doit suivre la Mecque ? Est-ce qu'on doit suivre le pays musulman le plus proche du pays où on est ? Ou est-ce qu'on doit suivre les gens qui ont pris la responsabilité en France de prendre cette décision et leur responsabilité auprès d'Allah ? La Libye, ils ne regardent pas. La loi en Libye, c'est le hisab. Ils font ça avec les comptes. Et même pas seulement Rukyat al-Hilal. Si, mathématiquement, le mois est rentré, ils considèrent qu'il est rentré. C'est pour ça que les ulama disent qu'on ne considère pas la vision de la Libye parce que ce n'est pas une vision réelle. Ils ne le regardent pas. Ils ne cherchent pas à la voir. Ils font juste les comptes. Par exemple, quand on a sur les calendriers ici en France, pour eux, la nouvelle lune, elle est entrée. Ils ne regardent pas, ils ne cherchent même pas à regarder. Ils te disent même 3 ans à l'avance quand est-ce que c'est Ramadan. Pour eux, c'est fixe. Non. Une autre façon, c'est si le mois de Sha'ban, à la 29e nuit, on ne voit pas, il y a les nuages, il y a des nuages qui couvrent la vision de la nouvelle lune. Donc, on finira le mois de Sha'ban à 30 jours.
et on fera le Ramadan le jour d'après. Voilà les différentes manières pour savoir quand est-ce que le mois de Ramadan rentre. Troisième chose que je voulais dire sur ce point-là, ou quatrième chose, c'est que c'est la sunna, c'est une sunna de sortir la 29e nuit après la 29e nuit de Sha'ban, c'est-à-dire quand la 28e journée est passée, dès que le Maghrib arrive pour la 29e nuit, on fait la prière du Maghrib, on sort et on essaye de regarder nous-mêmes l'Hilal. Si l'un de nous l'a vu, il devra en informer les responsables de France, dire je l'ai vu de mes yeux tel jour, telle date, tel endroit. C'est sa responsabilité. S'ils ne veulent pas le suivre, il jeûnera en cachette. Parce qu'il a vu, il jeûnera en cachette. Non. Car Allah Ta'ala a dit وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ أَنْتَ شَهِدْتَ. Tu l'as vu. Donc toi, tu es responsable de jeûner. Tu jeûnes en cachette. Bien que sur cette masala, il y a ikhtilaf, certains disent que tu jeûnes, si tout le monde ne jeûne pas, tu ne jeûnes pas. Et d'autres disent que tu le fais en cachette. Tu ne le montres pas pour pas que ça fasse des problèmes. Ce jour-là, tu le jeûnes en cachette car toi, tu es sûr, tu as vu le hilal. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur cette masala? Si ça n'a pas été décidé pour le début du mois, c'est comme ça. Par contre, si ça n'a pas été décidé la fin du mois de Ramadan, tant que tu n'as pas fait plus de 30 jours, tu jeûnes avec les autres. Et tu fais l'Aïd en même temps que tout le monde. Non. Et si tu as fait moins de 29 jours, tu fais l'Aïd en même temps que tout le monde, et le jour d'après, tu rattrapes un jour. Ça, c'est des règles. Il y a des choses qui nous dépassent, des décisions qui nous dépassent. Chacun, il fait selon sa capacité. Mais il faut toujours veiller à l'union des musulmans. Sinon, chacun, il va suivre qui? L'autre, il va dire suivre l'Arabie, l'autre, il va dire suivre Maroc, l'autre, il va dire suivre l'Afrique. C'est encore pire. C'est comme il y a, je crois, une douzaine d'années. Wallahu a'lam, je crois, on a eu 3 ou 4 jours de décalage, vraiment. Il y a eu 2 ou 3 jours de Eid différents. Les Turcs un jour, les Marocains un jour, les Algériens un jour, l'autre un jour. Allahu Akbar. C'est Jahiliya. On est revenu à l'époque de l'ignorance. Mon pays, mon pays. Alors un Algérien qui habite à Oujda, un Algérien qui habite à Oran et un Marocain qui habite à Oujda. Elle est où la différence de la lune entre les deux? C'est le même endroit. Donc pour vous dire que normalement il ne devrait pas y avoir ce problème-là. Inch'Allah, les ulama ont demandé le conseil de la fatwa de la Ligue islamique mondiale qui réunit les dirigeants et les ministres des affaires religieuses de la plupart des pays musulmans, plus les grands savants des pays musulmans. Ils ont fait une lettre et ils ont demandé à l'Arabie Saoudite de faire un observatoire international pour tous les musulmans et ils vont essayer de faire travailler dedans plusieurs nations pour se mettre d'accord pour le début du mois et la fin du mois pour tout le monde. Ils ont envoyé cette lettre au roi d'Arabie et ils lui ont demandé de travailler pour ça. Na'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'avec le temps, cette chose, elle se fasse, Inch'Allah. De même qu'ils ont demandé, une deuxième chose, de faire le même observatoire, mais pour les horaires de prière. Pour pas qu'il y ait de divergence entre toutes les horaires de prière dans les différents pays, pareil, ils fixent des horaires mondiales. Les savants de tous les pays du monde, ils fixent pour chaque pays, c'est eux qui fixent directement les horaires de prière pour tout le monde. Comme ça, il n'y a plus ces problèmes-là d'intérêt. Parce qu'ici, maintenant, en Europe, c'est des conflits d'intérêt, ce n'est pas des questions d'horaire, ce n'est pas une amana ilmiya. Il y a des gens qui font un calendrier et qui veulent diverger avec les autres juste pour pouvoir être connus. Alors qu'il y a 10 ans, tout le monde pratiquait la prière aux mêmes horaires. Il y a 10 ans, tout le monde priait aux mêmes horaires. Et c'est les horaires qu'on a ici dans cette mosquée. Ceux qui ont prié depuis plus de 10 ans, ils le savent. Tout le monde, toute la France priait sur ces horaires-là, jusqu'à que l'UIF a voulu faire son calendrier et a changé d'autres horaires. Donc après la mosquée de Paris aussi a changé, on s'est retrouvé avec plusieurs calendriers différents. Min adab siyam wa sunani. On va parler un peu de la politesse. Comment on profite du mois de Ramadan et des sunnas qu'il ne faut pas délaisser. Première chose, al-hirsu ala sahuri wa ta'khiri. Le repas de la fin de nuit, il faut être vigilant sur ce repas-là. Beaucoup de musulmans ne prennent pas le sahur. Ils mangent le soir, le matin ils dorment jusqu'à le fajr, même le fajr il est dépassé, ils dorment. Il faut se lever et manger le sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la différence entre le jeûne des juifs et des chrétiens et le nôtre, c'est akhlatu sahur. C'est le fait qu'on mange au sahur.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu, fa inna fi sahuri baraka. Prenez le dernier repas de la nuit car il y a une bénédiction dans ce repas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'ama sahuri al-mu'mini tamam. Les dates sont un très bon repas de la fin de la nuit pour un croyant. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait tellement le repas de la nuit, le dernier repas de la nuit, qu'une fois il a mangé avec le sahaba. Et ils se sont levés à la prière pour l'iqama, pas pour l'adhan, pour l'iqama. Ils ont demandé au sahaba combien de temps il y avait entre le moment où vous avez fini de manger et l'iqama de salat. Il a dit le temps de lire 50 versets, c'est-à-dire 20 minutes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé presque peut-être jusqu'à l'adhan. Presque jusqu'à l'adhan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'adhan, il faisait rak'atayn. Il attendait que les gens ils arrivent à la mosquée. Après, il faisait la prière. Et d'ailleurs, barakallahu fikum, ça me fait penser à une chose. Après, je vais te donner la parole, mon frère, avant que j'oublie, parce que je vais oublier sinon. Ça me fait penser à une chose, justement, qu'au temps du prophète, alayhi salatu wa salam, il n'y avait aucun temps déterminé entre l'adhan et l'iqama. Ni 10 minutes, ni un quart d'heure, ni 20 minutes, ni 30, ni 45. Quand l'imam, il voyait que c'est la maslaha de sortir parce que les gens ils sont réunis, il sortait, il présidait. Jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, akhara l'isha, il a retardé l'isha à un point, sahaba, ils étaient fatigués, ils ont dormi dans la mosquée. Ils attendent le prophète, ils attendent. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti quand? À minuit et demi ou à 1h du matin, la moitié de la nuit. Imagine-toi en hiver, par exemple, en Arabie. En Arabie, le Maghreb, c'est 7h. 7h30. De 7h30, ils l'ont attendu jusqu'à minuit et demi, 1h. Combien de temps ça fait? 5h. Ils ont attendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 5h, ils ont attendu. Il n'y en a pas, il a dit, Yanna Omar, Abu Bakr, Koum, Salé. Ils ont tous attendu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vienne pour prier. Et ceux qui étaient trop fatigués, ils ont prié, ils sont rentrés dormir chez eux. Ceux qui, ça y est, ils n'arrivaient plus à tenir, sans nous, ils sont rentrés. Mardouri, ils sont excusés, ils sont trop fatigués, ils ne peuvent pas attendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, et il leur a dit, « Maziltum fi salat, mantazartum salat. » Vous êtes en prière depuis que vous entendez la prière. Vous êtes comptés chez Allah en prière. Et les heures, c'est plus longtemps. Et il leur a dit, « Ceux qui ont attendu, ils sont mieux que ceux qui ont prié et qui sont allés dormir. Ils ont gagné plus de récompenses. » Non. Même par exemple ici en France ou dans un autre pays, on donne des heures approximatives pour que les gens ils savent comment s'organiser. À peu près, on laisse une dizaine, une quinzaine de minutes entre l'adhan et l'iqama. Mais ça reste une heure approximative. Si des fois, pour une maslaha, des fois il y a un converti qui vient, il parle avec toi. Quelqu'un te parle au téléphone de quelque chose d'important, il veut poser des questions sur l'islam, ou je ne sais quoi. Ou au dernier moment, tu as besoin de refaire le wudu. Donc ça arrive qu'un peu de takhir, inshallah, tant qu'on sait que l'imam il est là, on patiente un petit peu ou on envoie quelqu'un. Comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bilal radiallahu anhu, quand il faisait l'adhan, Bilal radiallahu anhu, il allait chercher Rasoul sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Il va le voir, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit à Rasoul Allah, pour voir, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après l'adhan le fajr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rak'atayn. Il s'allonge un peu. Donc on ne sait jamais, il s'est endormi ou... Hein? Donc Bilal radiallahu anhu, il va le voir et lui dit à Rasulallah, est-ce que c'est l'heure? Il se lève. Une autre fois, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, il était assis à la mosquée et l'heure de dhuhr allait rentrer. Il y en a un qui s'est levé, il a dit, je fais l'adhan. Il a dit, je sais. Il parle, fandas. Il parle. L'autre, il voit, ça y est, ça fait une demi-heure, là, trois quarts d'heure, l'heure de dhuhr, ou là, une heure, l'heure de dhuhr. Il se lève, il dit, Ya Abdullah, est-ce que, Ya Cheikh, Ya Abdullah, est-ce que l'heure, elle est, est-ce que je fais l'adhan? Il a dit, je sais. Troisième fois, il s'est levé. Après, il lui a dit, est-ce que c'est toi qui connais mieux les heures de salat ou c'est moi? Il a dit, c'est toi. Il a dit, assieds-toi. Puisque c'est moi qui connais mieux les heures de salat, assieds-toi.
jusqu'à, il a attendu jusqu'à bien, par exemple ici ce sera en été, presque c'est l'Asr. Ils n'ont pas fait fort, hein. Ils sont assis à la mosquée, ils écoutent le dars. Par exemple ici en été, de 14h, ils font le dars de 13h jusqu'à 17h30. 17h40, mais elles, ils n'ont pas fait la date de vol. Un petit peu avant l'Asr, il lui a dit, maintenant lève-toi et fais la date. Il a fait la date, ils ont fait le vol. Dès qu'ils ont fini dehors, l'heure de l'Asr, elle est rentrée. Il a dit, fais la date de l'Asr. Il a fait l'Asr, la date de l'Asr, ils ont fait l'Asr. Il lui a dit directement, il lui a expliqué qu'il a voulu lui montrer c'est quoi les limites des horaires des prières. Il a fait exprès. Pour montrer aux gens, pour que tout le monde comprenne que tu peux, la limite pour faire dhuhr, c'est jusque-là. Là. Une autre fois, à l'époque du Nabi alayhi salam, il y a des Arabes qui sont venus. Et ils ont appelé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de loin. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Allah, il a révélé. Ceux qui t'appellent de derrière ta chambre, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de raison. Si seulement ils avaient patienté jusqu'à que tu sortes, c'était mieux pour eux. C'était mieux pour eux. Donc, Allah, il leur a interdit d'appeler comme ça, de derrière la chambre ou quelque chose. Et donc, il faut que nous, on apprenne ça. Pour que, alhamdulillah, nos mosquées, elles soient comme l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a quelque chose à la mosquée, ça arrive des fois, quelqu'un me parle, j'ai pas vu l'heure. Il faut m'envoyer quelqu'un. Et il me dit, salam alaikum. Les frères, ils attendent. Est-ce que c'est salat? Est-ce qu'on commence? Moi, quand je vais voir que les frères m'attendent, je dis, yallah, bismillah, on y va. Comme ça, c'est la bonne façon de faire. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme Bilal, il faisait. Il allait jusqu'à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et non pas il l'appelait de loin. Donc, هذا إن شاء الله أمر لابد أن نتنبه إليه ونتعلمه إن شاء الله. كذلك الإمام، الإمام aussi doit يراعي مصلحة الناس. الإمام il doit aussi ne pas لا يثقل على الناس. Et s'il sait que les gens ils ont pressé, il va pas tout le temps les faire tarder. Si ça arrive de temps en temps, ça arrive pour une maslaha. Mais si eux ils doivent patienter et lui il doit patienter. Chacun il doit apprendre à patienter, إن شاء الله. Et lui aussi. S'ils voient que les gens sont pressés, essayez de ne pas trop les faire attendre. Hadi, chacun il a sa masoulia. Wachayan akhar, puisqu'on parle de ça, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quand est-ce qu'il faisait iqamat al-salam? Quand il voyait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'avancer pour aller faire salat, il commence l'iqam. Donc, al-mu'addin ou al-muqim, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il voit l'imam venir pour aller vers devant, il se lève et fait l'iqamat tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il lui dise fais les qamas. C'est bon. S'il s'est avancé vers là, ça veut dire que c'est le moment de la prière. Il se lève, alhamdulillah, il fait les qamas. Et si par contre il est derrière et fait le kateen, il attend. Il ne se lève pas avant que l'imam il s'avance. Et aussi, le moussallin. Tous les moussallin. Ce n'est pas comme certains disent. Ils croient que tu dois attendre que le mu'addin dise qad qamat as-salat pour se lever. Tu vois, certains ils attendent que le mu'addin dise qad qamat as-salat pour se lever. Hada khata. Ben, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand on voit l'imam, il s'approche pour présider, tout le monde se lève. Et on fait les rangs, tout de suite. Barakallahu fik. Donc, pour sahur, on finit avec ça et je te laisserai poser ta question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approchait tellement le sahur de l'iqab, de l'adhan, que entre le moment où il a fini de manger et la prière, il y avait moins de 20 minutes. C'est-à-dire presque comme s'il a fini de manger et l'adhan. Il a dit, si l'un de vous a son verre dans la main, ou le mu'addin yu'addin, et le mu'addin il fait l'adhan, qu'il finisse son verre. C'est pas il entend l'adhan, il va chercher un verre, il ne l'avait pas à la main. L'adhan est juste. S'il avait déjà le verre dans la main, il est en train de boire, et le mu'addin il fait l'adhan, il finit son verre. Ton verre d'eau là que tu as dans ta main, ta bouche que tu as, tu l'as fini. Après c'est tout. Bien que certains ulama ils disent que ça c'est au cas où le mu'addin il fait pas l'adhan pile à l'heure. Peut-être il le fait un peu en avance. Donc c'est pour ça que tu finis. Le mieux, la sécurité, c'est que si tu sais que l'heure elle est rentrée, tu t'arrêtes. Et l'imsak, c'est le fajr. Ça n'existe pas l'imsak 20 minutes avant le fajr. Et d'ailleurs, l'adhan de fajr, en France, l'adhan de fajr de la mosquée de Paris, hein, ou de notre calendrier, c'est le même. Pas l'autre. L'autre, le fajr, il est déjà rentré depuis longtemps, je vous le dis tout de suite. Pas du Wiyam. Pour ça, là, c'est pas grave, parce que c'est entre l'heure. Mais pour Siyam, il faut arrêter de manger avant. Jazakumullah. Tadat. L'adhan qu'on entend à la radio. L'adhan de la radio, je crois que c'est le même que celui de la mosquée de Paris, c'est bon. Ça, c'est bon.
c'est valable, Inch'Allah. On s'arrête à l'adhan. Quand il y a l'adhan à la radio, l'adhan al-fajr, on s'arrête de manger. Ou juste avant. Non. Donc on peut manger et boire jusqu'à l'entrée de l'fajr. Non. وقل رب زدني علما